Voilà, allez à partager. Nous allons passer ces informations en même temps. Demander à Ali Touré où se trouve la situation. L'information que je te donne, Ali Touré, c'est une information, tu peux aller la vérifier. Vous êtes connecté sur nos pages. Vous avez des personnes connectées sur nos pages. Donc, vous êtes libre d'aller vérifier. Bon, Capi, comment vas-tu? Donc, allez-y vérifier. Voilà, aujourd'hui, ton ami, ou je sais pas, il t'appelle cousin, je ne sais pas où vous êtes devenu cousin. L'ami Guirassy t'appelle cousin. L'ami Guirassy a acheté des parcelles collées pour tous les travailleurs de grande gueule à Koya là-bas. Des parcelles, par-ci, par-là. Gassim Dafesti, là, comment vas-tu? Des parcelles. Où lui peut enlever l'argent pour acheter des parcelles pour tout le monde à Koya. Je te pose la question, tu dois enquêter parce que tu sais poursuivre les gens. Tu sais monter les dossiers contre les gens. Toi-même, Nabine, comment vas-tu? Tu le dis. Que chaque jour, tu as de nouveaux dossiers. Comme chaque jour, tu as de nouveaux dossiers. Voilà un dossier à vérifier. Donc, salam alaykoum, bonsoir à toi, mon grand frère Sissi Savané. Voilà, je sais que tu as voté républicain. Grand frère Sissi Savané, nous, Allah, tu as voté hier là, pour les républicains. Et moi, ton jeune frère de lait est démocrate. Voilà, il est démocrate. Voilà, Haruna Kondé. Donc, je vais vous montrer l'image d'une personne qui va. Vous allez vous rappeler de lui. Voilà. Le voilà. Est-ce que vous vous rappelez de lui? Le voilà. Qui se rappelle de ce monsieur-là? Vous vous rappelez de lui? Attendez, je vais agrandir. Vous vous rappelez de ce monsieur? Dites-moi que vous vous rappelez de lui. Vous vous rappelez de lui? Voilà. Ou bien, regardez-les là. Vous vous rappelez de lui? Oh, cher frère, dites-moi que vous vous rappelez de lui. Regardez-le. Ou bien vous ne vous rappelez pas de lui? Vous avez vu le tout-puissant, chef d'état-major général de l'armée? Vous l'avez vu? Voilà. Regardez-le. Regardez. Voilà. Je vous montre l'image. Il a été attaqué. Il y a des patriotes parmi des patriotes. Des patriotes parmi des patriotes. Il y a un jeune qui a osé s'attaquer à Général Namori. Je dis, c'est-à-dire, mon frère, Kassine Kender Dima, mon frère, Maloni Doumen Kelié. Ne malo ni do mon grand frère. Malo Batrou Bakayoko, la maman chérie, comment vas-tu, maman Batrou? Wallahi billet le grand frère. Malo ni do men kelié. Ko propos men bonidaro à l'encontre de Namori. Que Dieu te donne, grand frère, longévité, santé, prospérité. Et qu'on ko diréwolo. Iba kuma kono kibra manika lote. Ulika nkafo. Nko Kankan Kalu Alpha Condé les fait. Sigrin Kalu Alpha Condé les fait. Mandiana Kalu, Kusa Kalu, Kissidou Kalu. Ce n'est pas un peul qui l'a rappelé à l'ordre. Ce n'est pas un Kissi qui l'a rappelé à l'ordre. Ce n'est pas un peul qui l'a rappelé. Ce n'est pas un Soussou qui l'a rappelé. Mais Mandinkale Kanamou l'a rappelé. Tellement que les gens te connaissent au Maroc. Tellement que les gens te connaissent au Maroc, personne t'a arrêté dans ce que parce qu'il m'a nenni. Tu l'as pas insulté. Tu n'as pas insulté Namori. Tu n'as pas insulté Namori. Tu l'as pas frappé. Il m'a fousqué. Mais comment mène Bonidaro Kalama? Ndakumadanofo, je vais répéter ça devant le peuple guinéen. Cher frère, merci beaucoup. Santé, mon frère. Namori est ce que tu as dit. C'est ça. Kodunia, Kobenat, Komo Benata Mokele. Des gens ont dit, quand tu as enchaîné, quand les gens ont voulu le dire de se déplacer, non, il était venu à une cérémonie, il a été invité parce que c'est un poltron, c'est un géraud. Dans les autres pays, le chef d'état-major général de l'armée, tous les anciens,
chefs d'État amazoniens du Sénégal sont logés, nourris, ont des passeports diplomatiques. Mais regardez sa vie réduite dans un petit bureau au Maroc. Ils nous ont montré quelqu'un, ce n'était pas le ministre des Affaires étrangères du Maroc, qui l'a présenté sa lettre de création. Non, 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 non. Il l'a donné au chargé des affaires étrangères du ministère des Affaires étrangères. Pas le ministre. Grand frère, longévité, santé pour toi. Eh Allah, eh Manikade Mandinka, Dirolo. Voilà Sini Kendia Dima. Il faut des personnes comme vous pour rappeler à ce monsieur que tout ce qui arrive à notre pays-là, il est le seul responsable. Tout ce qui arrive à ce pays-là, il est le seul responsable. Nous accusons Doumbouya. Nous attaquons les officiers, mais le seul responsable, c'est lui. Parce que jusqu'à quelques heures, si ça continue jusqu'au petit matin, jusqu'à 10 heures, chose qu'on appelle ça, Commando Faré et Philippe Magasuba auraient eu raison aujourd'hui Doumbouya. Il allait le prendre. Mais le traître, Ikomborin Djanfantel, il dit, Mborin Namori, Haketunti Nenna, Djanfantel, il dit, yo, Ika professeur Alpha Condé, même qui est chef d'état major général, dit, Ika Ole Djanfakana qui ici, Maroc là, comme Fousmaké. Yo Mbori Namori, il n'a qui ici Maroc, qui n'yalo la Guinée-Kala, n'yalo la Guinée-Rabi. Oh Mbori Namori, ni maninka, est-ce que tu es fier aujourd'hui de la Guinée, de la gestion de la Guinée comme ça là? Il était là, il a baissé la tête. Il a fait ses yeux comme ça, il a baissé la tête. J'ai dit, le monsieur a parlé plus de 30 minutes. Il n'a pas pu parler. Cérémonie à Madame Niquet, il n'a rien touché. Et le monsieur a très bien fait. Il n'est pas venu au début de la cérémonie. Il a attendu la fin pour venir le sermonner. Regardez-le. Quoi, Massé, qui est ma femme là? Il n'a pas pu regarder le monsieur à Massé. Regardez Namouri. Regardez-le. Il n'a pas pu regarder le monsieur. Regardez-le. Le gars l'a sermonné. Il l'a rappelé. Il a rappelé à Namouri. Regardez-le. C'est ici, il l'a attaqué. Il est venu. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis comme ça à genoux pour le regarder. Ni a fait mon clé à foyer, quand ta photo ta là, n'a photo ta. N'dit comment, les gens étaient en train de filmer. Vous allez voir la vidéo sur la toile. Il, question qu'il a, ça Diabila, regardez, il ne peut pas répondre à la question. Regardez le monsieur. L'homme à qui le professeur Fakonde a remis toutes les clés des armées, tout ce qui est armes lourdes, tout ce qui est protection de la Guinée. Il a remis à cet individu. Regardez le monsieur aujourd'hui, assis, réduit au silence. Il s'est contenté de quelques millions de francs guinéens et puis d'un passeport diplomatique. Et c'est terminé. Général Namori Ndiaby, est-ce que tu es fier de la gestion de la Guinée? Est-ce que tu as les informations de la Guinée? Général Namori, est-ce que tu as vu ton armée? Alors moi, je t'informe que l'armée là a été démobilisée. Que Dieu nous sauve aujourd'hui, que la Guinée ne soit pas attaquée. Si la Guinée est attaquée aujourd'hui-là, je ne sais pas comment ils vont redistribuer les armes pour protéger la Guinée. Nidi Nika Jena Namouri. Je t'appelle Mbori, Mbori Nidi. Je voulais te dire Namouri Nika. Est-ce que tu as les informations de la structure de l'armée aujourd'hui? Général Namori, comment faire? Idjo, comment? Agnabo Maliaro, Ignalo, non, regardez-le. Général Namori, regardez-moi, Mafelin. Général Namori, Mafelin. Et quand Agnabo, non, Mbori Nidi. Regardez, le gars l'a attaqué, il est assis, il ne peut pas. Ibrahim Kaba, comment vas-tu? Grand frère, mon unique Onazis, mon grand frère. Général Namori a honte. Général Namori, dis-moi si tu es fier de la gestion de l'armée guinéenne aujourd'hui. Général Namori, répondez-moi. Général Namori, tout ce qui insulte Doumbouya, tout ce qui insulte les autorités de la junte là, ils ont tort. Le seul responsable de ce qui arrive à la Guinée aujourd'hui, c'est vous, Général Namori. C'est vous qui avez mis le pays là
comme ça. Sinon, Doumbouya seul, le pont était fermé par Philippe Magasuba. Le bata a fermé le pont, tout. Le bata a fermé le pont. Philippe Magasuba l'a attaqué de l'autre côté. En quittant Cameroun pour venir à Cameroun, là-bas, tout était fermé. Doumbouya ne se trouvait qu'à Kaloum et puis vers l'ambassade. Alpha Condé n'était pas avec Doumbouya. Alpha Condé n'était pas avec Doumbouya. Alpha Condé était avec Alia. Il a mis ses petits là-bas, les Michel et autres là. Il dit, il est le cafard. Regardez-le. Excusez-moi, regarde. Il dit, il est le cafard. Mon grand-mère fort. Il est le cafard. Je n'en ai pas répondu, moi. N'y a fait le Ndjabi. J'en ai mouru. Il quand qu'un Ndjabi. Tu dois me répondre. Il est le thé. Ndjabi. Le malheur de ce pays, c'est toi. Ce n'est pas Doumbouya, c'est toi. Regardez. Je vous dis, le jeune là a fait 30 minutes, il est en train de sermonner, il est en train de lui dire. Abla, il faut de. Comment va Abla, il faut de. Respect à toi, mon frère. Plus de 30 minutes. Regarde, il est assis. C'était une cérémonie tout récemment là. Il y avait beaucoup de Guinéens, mais personne n'osait. Le compatriote, il n'est pas Soussou, il n'est pas Peul, il n'est pas Soussou, il n'est pas Peul, il n'est pas Kissi, il n'est pas Guerzé. Il n'est rien, c'était un frère malinqué, un vrai patriote. Et puis il l'a appelé Mbori. Il dit Mbori, Mbori, toi mon oncle, Mbori. Ce n'est pas Doumbouya qui a mis ce pays-là KO. Ce n'est pas Doumbouya qui a mis le pays la terre. Tu es le seul responsable de ce qui arrive dans ce pays-là. Il est le nom. Et puis ce que vous ne savez pas, grand frère, merci Allah. Il dit, et puis, ce que les Guinéens ne savent pas, tu es au Maroc, tu es avec toute ta famille. Nambour n'a pas resté, même une nièce. Tous ceux qui étaient dans sa cour, tous ceux qui étaient avec lui, ils se trouvent tous au Maroc. Tous au Maroc, sans exception. C'est de la haute trahison envers le professeur Alpha Condé. C'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Moi, je ne connais pas très bien l'armée, mais je sais une seule chose. Avant de nommer un chef d'État major dans l'armée, le président réfléchit mille fois. Un président réfléchit mille fois avant de nommer un chef d'État major général de l'armée. Regardez Doumbouya même qui n'est pas Doumbouya qui n'est pas guinéen. Doumbouya qui ne connaît pas la structure de l'armée guinéenne. Regardez la personne qu'il a choisie. C'est le général Sadiba Koulibaly. Qui a commencé du bas jusqu'en haut, tous les échelons, il a franchi tous les échelons, général Sadiba. Il connaît très bien l'armée guinéenne. Ibrahima Doumbouya, actuellement là, si tu dois prendre Doumbouya, tu dois négocier avec Sadiba, sinon tu ne peux pas le prendre. Ikra Dodoudi. Toutes les armes lourdes, tout ce qui est armement là, se trouve avec Sadiba. Alpha Condé Kaoleke, Alpha Condé a remis tout, artillerie lourde, char, toutes les compagnies étaient soumises à. La seule compagnie qui n'était pas sous tes ordres, c'était le Bata, la garde présidentielle et le groupement d'intervention rapide, le GIR. Ça, c'était directement lié à Dr. Yanné, à la présidente de la République. Voilà pourquoi les gens là étaient là. Ils ont dit Doumbouya ne sort pas avec le président. Et Doumbouya t'a appelé. Doumbouya le Kikli. Il est en train de tirer sur mes hommes là. Je vais tuer le président. Voilà la phrase. Tu as appelé commande Fara. Il dit, mais si tu dis forcément que tu vas le prendre, il a le président. Il va tuer le président. C'est comme ça que tu as négocié. C'est comme ça que tu as pu changer la tête. Tu as changé la tête. De comment. Sinon, Commando Fara t'a dit, le premier coup de téléphone, il a dit à Philippe Magasuba, ferme. C'est eux qui ont tout bouclé, ils ont bouclé tout. Il faut que, si Doumbouya devait sortir, il devait plonger dans la mer, comme chose Baldi a fait, pour partir ailleurs. Mais il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas sortir avec le professeur Alpha Condé. Non. Mais il est le cas Sadiba, il est le cas Fenke Kri, qui a appelé.
Tu as appelé, il est mandinka. Prosa fa konde ka la confiance ta kalairo. Et puis manika de mandinka de roulo. Toi, tu as, c'est toi, tu as plus de 25 minutes, tu es en train de convaincre Commando Faré. Tu es en train de convaincre Commando Faré d'accepter pour ne pas tuer le président. Commando Faré dit qu'il ne va pas tuer le président. Il n'est pas fou. Il dit que Commando Faré, c'est un militaire, il connaît l'armée. Il dit qu'il n'est pas fou, il ne va pas tuer le président. Il dit non, t'as vu, tu dis la vérité, Iko. C'est quelqu'un qui est capable de tuer le président. Tu dis qu'il est capable de tuer le président. Toi-même, tu dis que c'est quelqu'un qui est capable de tuer le président. C'est ce que toi, tu as dit, qu'il est capable de tuer le président. Toi qui sais qu'il est capable de tuer le président, pourquoi vous l'avez laissé prendre le pouvoir? Quelqu'un qui n'a pas laissé Alpha Condé. Toi, tu dis qu'il est capable de tuer Alpha Condé. Pourquoi vous le laissez? Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer à partir de là, le lendemain, après le coup d'État, ce qui va se passer? C'est pas ce que nous sommes en train de subir comme ça. C'est pas ce que nous sommes en train de subir comme ça. Et puis c'est que moi je ne savais pas. Peut-être je l'ai dit une fois quelqu'un, mais quelqu'un me l'a dit hier. Il dit c'est quand vous avez quitté, c'est Hadja André Touré, l'épouse de notre grand-mère. Hadja André Touré, lorsque vous avez quitté, parce que vous êtes parti saluer là-bas avec lui Doumbouya, c'est au retour qui t'a retiré les clés de la mairie, qui a commencé à te poser les questions. Et tu avais oublié qu'Alpha Condé voulait remplacer beaucoup de généraux. Il voulait les envoyer à la retraite. Beaucoup de généraux. Et quand lui, il est venu, pour ne pas vous frustrer, il vous a proposé de l'argent, des passeports et autres. Excusez-moi, une minute. Vous comprenez? Donc, mon frère, merci beaucoup. Font très bien fort. Il a contacté Mbolo. Il a numéro Bembolo. Vraiment, c'est une da vidéo blala. Tu m'envoies la vidéo, da blala. Parce que après, ils ont commencé à négocier avec toi de ne pas poster la vidéo. Mais il y a la nama, il y a la vidéo, il y a filmé Ndia, il y a la. Parce que regardez, il ne peut pas fermer ses yeux. C'est la honte mondiale. Regardez le monsieur aujourd'hui. Il a envoyé toute sa famille. Il est avec toute sa famille. Il a la famille Bé. Toute sa famille, elle perd toute sa famille, ses enfants. Toute sa famille, elle perd le Maroc. C'est qu'il a abandonné la Guinée. Il a laissé la Guinée dans les mains du gars. Quand la Guinée dit Kema, voilà la Guinée, prends la Guinée. Après, la Guinée dit. Mais mon frère, il a question là même posée. À la maestra là, à la massini, tu as demandé au monsieur là, est-ce qu'il est fier de la gestion de la Guinée après le coup d'État qu'il a organisé? Il a question qu'il a posée à Yumala. C'est une question très bien posée. Très bien posée. Tu lui as demandé s'il est fier de la Guinée actuellement après le coup d'État que lui-même il a organisé, il a favorisé. Ami Djabi. Ika Nyinika, si avec toute la confiance du professeur Alpha Condé, si la vie actuelle, et maintenant, si ça le suffit largement, par rapport lorsqu'il était au chef d'Amazon, les avantages qu'il avait, lorsqu'il était chef d'État Amazon général, maintenant la question au Djabila, il ne va jamais répondre à ces deux questions. Je vais bien, il dit ça le précieux qui est là, il m'en demande ça. Et puis ta conclusion, Fa, Kassini Kendia Dima. Voilà mon frère Mvafi. Kassine Kendia Dima, il a conclusion. Il a conclusion du Bella. Ou le frère, al frère Vafuka di Kassi. Il a conclusion du Mola Kassi. Kawa Jena Namori Mbourine Afouyana. Tout ce qui arrive à la Guinée aujourd'hui. Même Bé la Guinée. Tout ce qui arrive à la Guinée aujourd'hui. Le seul responsable de tout ce qui arrive là, c'est vous. Fina Moussa Bala, merci beaucoup. Depuis Sophonia. Il a conclusion fa ala sin ikalo mandenka bana ka tunya fa dumamba le ne ikalo fo ka fo mandenka andelu andela ka andela ba de mal kaila nous les mandenka la andena na mol traila andala mol free andana tadi andana dignité free andela kala iba fo kono ikono fo memba mandenka yilo la ka tunya fo afaye he ne se wala le
ni sebala fo nyo fo donc vous fa ka sini kendia di mala maokela. Oui, il est le responsable de ce qui arrive à la Guinée. Parce que si Alpha Condé était remis à sa place, si les discussions avaient continué jusqu'à 17h, je vous le jure, ça allait chauffer. Parce que Namori, si tu avais laissé Commando Faré et Philippe Magasuba, wallahi billahi, Anne Diamant, la Guinée, tu ne te trottes. Mais quelle est la Guinée, la bi, tu ne te quai. Même si Doumbouya restait, Ada Lonkafo, oui, il a négocié et puis ils allaient mettre des principes. Damiba et ceux qui sont là aujourd'hui, là, ils ont discuté chaudement, ils ont mis les points sur les i. Lorsqu'il n'a pas respecté, là, il y a eu le coup d'État. Même aujourd'hui, il y a eu un coup d'État qui a raté contre le jeune Traoré. Aujourd'hui, il y a eu un coup d'État qui a raté contre le jeune Traoré. Parce qu'il est parti au front. Tu as vu le responsable, lui, il est parti au front. Le chef de la junte du Burkina est parti au front. Il est parti se battre. Il est parti au front. Quand Alpha Condé, enfin, même Kralanko, Allah le quitte là. Wallahi, Bérété, mon frère Bérété, c'est ce que le gars lui a dit. Il dit, le seul responsable de tout ce qui arrive à ce pays-là, c'est toi, Mbori Namori. Il est le noy. Mbori noté. Il est le noy. Voilà, Djabi. C'est un frère guinéen. Un frère guinéen. Un digne fils du Mandé. Un Mandinka Djerwolo. Je dis Mandinka Djerwolo. Ole Wara Namori. Cérémonie dia. Awa cérémonie dia akanamuri. Il s'est réservé d'abord en cérémonie kera akanamol la cérémonie tina yabi. Il a attendu vers la fin. Il est parti trouver Namori. Akanamol son sini akonamori ma akomborin foni kumayebi ambe marokiani akweni alatema nea fo dunia benyana akomunikan pa la ginekal be. Il est le noitoria men la ginekal kambi. Mbori ni din ti nena. Mba bila ili jafama. Ni mbla ila ili jafama. Ile le noi. Ako men nyafe ki njinika. Nyafe ki njinika ili jafama. Njinika. Est-ce que tu es fier de la gestion de la Guinée après le coup de Tala? Est-ce que tu es fier de la gestion de la Guinée? Ama kuma. Ale na amour lete. Ale lete avec sa famille. Ibrahim ale lete. Aka kumbiri. Ibrahim, Amason Kumala, il n'a pas parlé. Amason Bouakabari, depuis Brazzaville, merci. Amason Kumala. Amason, il n'a pas répondu. Il dit, le grand frère là, Enfa, Allah Sini Kendia Dima, mon frère. Il dit, je le répète encore, ma deuxième question. Avec toute la confiance, tous les privilèges que le professeur Fakonde t'a donné. Donc, tu as préféré te contenter de cette situation-là. Ça te va? Ça te va? Il conforme maintenant. Ça te va? Ta conscience ne te reproche pas? Il n'a pas répondu. Alors, tu n'as répondu là. Le voilà. Tu ne peux pas répondre. Et puis le grand frère dit, voilà, Genelai, mon frère Genelai, aïe mon fort, voilà, frère Genelai. Et puis le frère conclut, grand frère, Allah m'a signé, m'a mandé un caillé, tu n'as pas la mandé un caillé, aïe de la baleine, parce que Fanya Lonko, faut-il y en de là. Ande le Noé. C'est nous, mon Gwerete. À la conclusion collée. Alors qu'à Fola Tuyan. À côté tout ce qui insulte Doumbouya ou tout ce qui attaque Doumbouya, tout ce qui attaque la gente et autres là, ils ne connaissent pas le responsable de ce qui est arrivé en Guinée. Awa Nedafo Dunia Benyana.
je dis devant le monde entier, tout ce qui arrive à notre pays là, le changement qui est arrivé au port, où maintenant tout est trié, batotenala, économité, mol brabi, bevratien, à mon responsable que les mains, Oli le dit. Le seul responsable là, c'est vous, Mbori. Il est le Noé. Mogrete, il est le Noé. Mbaradaï, il est Diafamani Mbarida. Le deuxième point, c'est Lamine Guirassy. Je m'adresse à Ali Touré, l'expert en communication, l'enquêteur principal. Ali Touré, viens me dire que c'est faux, ou bien envoie un de tes petits pour dire que c'est faux. Je te demande d'aller d'enquêter. Demandez aux gens à Koya. Il faut demander les gens à Koya. Si Lamine Guirassy, d'Adavo Media, n'a pas acheté des parcelles pour tous les travailleurs, plus de 7 travailleurs. Namori, fin qu'elle ait encaillé Lamine Guirassy, le Maudit. Lamine Guirassy, en ce temps-là, quand on a terrain sans ramobé, bara la bé, quand terrain sans Koya, abra terrain sans bé. Alors, information, ça, si tu fais partie, il faut écouter. Donc, toi, Ali Touré, c'est juste une information, on va vérifier. Lamine Guirassy le sait, il sera très surpris. Pourquoi? Il ne voulait jamais, parce que cela a été fait pour ne pas que quelqu'un se rende compte. Mais quand il va voir la vidéo, où ben, les gens vont porter, parce qu'il y a des gens qui montent des vidéos pour partager. Lorsqu'il verra ça, là, il sera surpris. Et je te mets à défi, Lamine Guirassy. Viens me dire le contraire. J'ai les numéros de toutes les parcelles. La personne qui me l'a envoyé, c'est Touré Koya. Et la dame qui a négocié pour... Toutes les négociations, celle qui s'est occupée de tout ça, là, avec ces démarcheurs-là, j'ai tous les documents. Moi, je vais te le dire, Lamine Guirassy. Je vais te détruire, moi, Benito. Je vais montrer aux Guinéens là que tu n'es qu'un simple arnaqueur. Un simple arnaqueur. C'est tout ce que tu es. Ndaïra Bella. Les documents là, je les ai gardés. Je garde tous les documents. J'ai les agences comme ça, je les garde. Tous les documents. Ndaïra Bella Mara. Tu n'es qu'un arnaqueur, Lamine Guirassy. Où tu peux enlever ces milliards ou bien ces millions de francs guinéens pour acheter les terrains. Aujourd'hui, les Guinéens n'ont rien à manger. Les gens sont obligés de travailler jusqu'à 18 heures. Ils n'ont rien, absolument rien. Mais ils sont obligés de travailler jusqu'à 18 heures. Jusqu'à 18 heures. Toi, tu te mets à l'aise. Jusqu'à tellement que c'est suffisant, tellement que tu es devenu suffisant, tu te permets d'acheter même des terrains pour tous les travailleurs. Et puis donner 50% pour le départ de construction. C'est grave. C'est très grave. Donc, je demande à Namori d'enquêter. Comme celui l'enquêteur principal. Il n'a qu'à enquêter. Il n'a qu'à enquêter. Moi là, je veux te détruire. Parce que nous ferons de sorte qu'après le CNRD, que tous ceux qui ont accompagné le CNRD dans le mauvais sens, qu'ils soient connus, identifiés et mis sur la place publique. Personne ne sera épargné. Personne. Donc, portez-vous très bien. J'ai un amour de nous tous, mon frère, remercier. Si je ne remercie pas le grand frère, nous tous, nous te sais. Nous tous, nous te sais, là. Voilà, c'est Koudra. Voilà, Amis Touré. Voilà. Ali Touré Krief. C'est une information pour toi. Va vérifier. Vas-y. Il faut demander à Guirassy. J'ai reçu. Comme tu dis, que c'est à travers des appels téléphoniques. Que c'est à travers des appels téléphoniques que tu maintiens Dr Kassori en prison. C'est à travers, après toutes les vérifications, parce que vous êtes fâchés du fait que Damaro avait dit que les bus là ont été achetés par lui. Il avait pris crédit et le reste de l'argent, vous avez trouvé ça sur son compte, sur le compte de l'Assemblée nationale et vous avez récupéré. Mais toujours, il est en prison. Il ne doit pas sortir. Il est tout le temps en prison. Comme tu dis que c'est à cause de l'appel téléphonique que Kassori doit rester en prison. Donc moi aussi, à travers une vidéo, il faut dire que c'est à travers une vidéo que tu as appris que Guirassy a acheté des terrains pour tout le personnel, son personnel communicant, qui sont avec lui là, des terrains à Koya. Et puis donner 50% pour le début des activités. Donc,
Ça aussi, c'est une information. Donc, considère que c'est comme si je t'avais appelé. Et tu as aussi, non, mais si tu sais que réellement qu'il y a l'équité, la justice, parce que c'est vous qui êtes en train de le dire partout qu'il y a la justice en Guinée. Donc, dans les conditions normales, Guirassy doit être arrêté, mis en prison et puis enquêté. Parce que ce que tu as fait avec nous, tu as ramassé les gens, tu as fait sortir Selouda Lengalo, Sidya Touré, et puis tu as enquête. C'est-à-dire, quand ils sont en prison, tu enquêtes. L'affaire des 187 personnes-là. Il y a des personnes qui n'ont même pas 2 millions sur leur compte. Il y a un frère qui m'a appelé. Il n'a même pas 2 millions sur son compte. Il y a son nom sur la liste. Il y a une autre dame aussi qui n'a même pas 3 millions sur son compte. Il n'a même pas 3 millions. Hein. Elle s'est retrouvée sur la liste. Il y a une autre dame qui connaît exactement combien elle a. 595 000 francs guinéens sur son compte. Elle est sur la liste. Sur la liste, 585 000 francs guinéens. Elle se trouve sur la liste. Ali Touré Krief. Ça, c'est au-delà même des morts. C'est la grande sœur de Alpha Condé qui est morte depuis 2014. Je ne parle pas de ça. Qui n'a jamais été fonctionnaire dans ce pays-là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas OIR. Comment ça s'appelle là? L'ancien président de l'Assemblée nationale qui est mort. Les hommes qui, je ne parle pas d'eux. Mais quelqu'un qui a 585 et puis qui avait un poste important, 585 000 francs se trouve sur une liste. Vous devez juger la personne à cause de 585. Hein? Non. Le pays là, non. Le pays là est extraordinaire. Donc, mon frère, Ali Touré Krief, va vérifier. Va, si tu veux, envoie des enquêteurs à Koya. Appelle Wallahi Kamano, appelle Guirassy, mets la pression sur lui, il te dira comment il a acheté. Et si tu veux, là, passe par un petit, je peux te donner le numéro des parcelles. Et tu gardes pour toi et tu demandes, tu appelles Guirassy, tu dis voilà, tu me dis que tu n'as pas le terrain, j'ai le numéro des parcelles. Va à Koya, va à la direction préfectorale de quoi là-bas, de urbanisme et habitat. Tu demandes le numéro là, sur l'air, tu vas voir, c'est eux qui ont numéroté, tu verras tout dans le registre là. Tu sauras si je mens ou pas. Et puis, viens me dire que c'est faux. Donc, lui peut enlever ces milliards-là pour acheter des parcelles collées pour tout le personnel dans la voie médiatique. Hein? Et aujourd'hui, là, nous connaissons le résultat de cette liste de 187 personnes. C'est ce que je l'ai dit. C'est pour ne pas que les gens parlent. Et puis, malheureusement, vous avez arrangé aussi Benito. Parce que ce qu'ils nous ont dit au départ, que de Dédé Doumbia, que c'est un malinqué, que c'est un de nous, de l'aider, que Mandenka, on ne va pas le lâcher. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de nous dire, de l'attaquer. Et moi, je ne réponds pas. Quand ils écrivent là le téléphone, je ne réponds pas. Hein. J'ai juste, il y a une personne là-bas, tu as ton téléphone. Tu as ton téléphone. Tu peux créer une page là et puis attaquer Doumbia. Il me dit qu'il est en Guinée. Mais je dis, mais c'est ton problème, ça. Donne l'ordre à un de tes frères à l'étranger pour le faire. Moi, je ne le ferai pas à ta place parce que tu étais là. J'ai tes premiers messages où tu as dit, Benito, on doit aider Doumbouya. Doumbouya a été malinqué. Hein? On doit l'aider. On doit faire comme ça. N'importe quoi. Portez-vous très bien. J'ai un Amori à la Misrala. Andi Dankalombe. J'ai un Amori. Il dit Dankalombe. Il est dans Kalumbé. Une vidéo de Yandaïra, on a parlé de toi ici là. C'est toi aussi, tellement que tu n'as pas. Non, tellement que tu es prêt à travailler avec Doumbouya. Tu as donné toutes les informations concernant tous les officiers supérieurs à Doumbouya. On ne peut pas vendre ces officiers, on ne peut pas vendre les dignes militaires guinéens à un individu, à un légionnaire. On ne peut pas le faire. Tu fais partie des personnes qui ont monté le plan de la désorganisation de l'armée. C'est toi, parce que c'est toi avec paix à son âme, Khalifa Diallo, paix à son âme, l'ancien chef d'état-major, c'est vous qui avez organisé l'armée guinéenne. Parce que depuis que Khalifa a pris l'armée dans les mains de Dadis et de Sekouba, l'armée était totalement désorganisée. Mais c'est Khalifa Diallo qui a commencé à réorganiser l'armée guinéenne, Khalifa Diallo. Et toi aussi, tu as tout finalisé par les moyens qu'Alpha Condé t'a donné, les privilèges, les moyens, tout. Donc, à la Misrala, c'est Dieu qui va te payer, Namouri. Tu as vu, non? Tu penses que les gens, là-bas, c'est, au Maroc, là, ce n'est pas la Guinée. Les gens vont t'attaquer. Il faut payer parce que tu reçois des blogueurs sur toi, le gars là, haut niveau là et autres là, pour insulter le maman des gens. Il faut donner l'argent à ces blogueurs là pour nous insulter.
Le jour où Doumbouya va chuter l'avion, je me demande comment tu vas rentrer en Guinée. Ne mal, parce qu'il y a des gens dans l'armée là qui en veut. Ça dit, Albim, il a dit appuyé comme ça là. Hé, Albim, il a lu que là, tu y allais. Habité, a été militaire. Donc, portez-vous bien. Merci à tout le monde. Merci pour partager. Merci beaucoup. Partager. Bande de traîtres. Voilà un enfant de 39 ans aujourd'hui qui a mis tout dans l'eau. Tous les efforts fournis par les Guinéens, parce que je dis l'ensemble des Guinéens, a débraqué Giro. Et puis ils ont la grande gueule. Tu as vu comment ils sont en train d'intimider les gens qui travaillent au ministère de l'infrastructure? Ils sont en train d'intimider les gens là. Ibra Oyeka, tout ce qui arrive là, il est à la fautie Beledi. C'est toi. À Beledi. Mais portez-vous très bien. Portez-vous très bien. Parce que Iba mina lomina nala mo se mambala fo kai bibin hay lui kla tien ay bi appuyé il fogné les bola ya tra mon kavoko traite le dit comment tu as pu arranger avec Doumbouya il a famille ben même nyakumani nyankumani bona a belle wani Maroc il ma hali egui ma to la Guinée hali egui ima to la Guinée tu n'as rien laissé tu as envoyé toute ta famille donc tu as vendu notre pays il est brawa ka la Guinée frikawa et puis qui ici et puis qui bafa, comme si rien n'était. Ou le cas que frère Kaveko, si tu es fier de ce pays-là comme ça, est-ce que tu es fier de la Guinée comme ça? Ou la Guinée m'a fait, est-ce que tu es fier de la Guinée comme ça? Et ma question au Djabi Haïssa.